Édouard Guerrero, pouvez-vous nous dire pourquoi on parle tant des TPE en 2012? Eh bien, on parle énormément des TPE en 2012 parce que justement, ces entreprises vont avoir des élections. Les salariés de ces entreprises, 4 millions en France, vont voter à la fin de l'année selon un calendrier très précis. Par exemple, le rappel du calendrier des opérations de vote sera le 10 septembre 2012, la publication de listes électorales. En rappelant que ces salariés vont voter sur des sigles, uniquement sur des sigles. On ne vote pas sur des personnes physiques. Ensuite, le 1er octobre 2012, date limite dépôt de recours et d'inscription. Le 3 au 23 novembre 2012, envoi du matériel électoral, début du vote par correspondance. Le 28 novembre au 12 décembre 2012, ouverture du vote par Internet. Le 12 décembre, clôture de l'envoi des votes par correspondance. Et le 18 décembre, enfin, dépouillement et publication des résultats. Comme je viens de le dire, il y aura donc un vote par courrier ou par Internet.